ravi d'être de retour sur le plateau CGTN. L'annonce de la levée des restrictions liées au COVID à partir du 8 janvier aura en fait un impact à la fois sur les personnes, ce qu'on appelle people-to-people exchange, et sur les entreprises. La communauté internationale est vraiment enthousiaste aux nouvelles mesures d'entrée simplifiées, en particulier la levée de la quarantaine et le lancement de la délivrance des visas. À la Chine, en tant que deuxième économie du monde, est cruciale, non pas que du point de vue commercial, mais aussi du point de vue des échanges culturels et des personnes. Nous pouvons prendre exemple, comme mon métier en tant que directeur d'éducation, les étudiants internationaux en Afrique et en Amérique du Sud qui sont très désireux de retourner en Chine et de reprendre leur parcours éducatif, de construire leur avenir à partir de la Chine. Donc cela aura, comme je le dis, un impact très important sur les personnes, non pas que le commerce. Aussi, il faut noter que ces nouvelles mesures à partir du 8 janvier auront un effet, un impact sur le retour de la Chine à son engagement mondial en tant qu'acteur géopolitique majeur dans le commerce et l'investissement. Le retour à la normalité des frontières soutiendra la reprise économique de la Chine et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises bien que chinoises et internationales.